Shalom, shalom, soyez béni dans le nom précieux de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Alors vous êtes en direct sur votre chaîne chrétienne Réveil TV, bien sûr sur votre émission, réveillez-vous. Voilà, c'est vraiment le temps, n'est-ce pas, de nous réveiller du sommeil. Ben, comme nous ne cessons de le répéter à chaque émission, sinon à chaque fois depuis un temps, le sommeil est d'abord spirituel et le sommeil physique. Que, voilà, beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, que nous expérimentons, n'est-ce pas, n'est rien d'autre aussi, n'est-ce pas, la conséquence aussi. En fait, euh, ce sommeil physique que nous avons, n'est-ce pas, explique aussi, n'est-ce pas, un autre sommeil que beaucoup ignorent, voilà. Et nous sommes sans ignorer, n'est-ce pas, que le monde spirituel détermine le monde physique dans lequel nous sommes. Ça veut dire que tout ce que nous voyons, n'est-ce pas, physiquement, ouais, a, le plus souvent, n'est-ce pas, a d'abord un impact spirituel. Alors, d'où. Euh, euh, le thème de cette émission, réveillez-vous. Donc, sinon, réveillons-nous, n'est-ce pas, du sommeil parce que les temps sont mauvais. Alors, euh, ce soir, une fois de plus, je crois que... Le Seigneur, n'est-ce pas, passera par le canal que je suis, n'est-ce pas, pour euh, euh, nous encourager ou encore euh, nous communiquer la pensée qu'il a déposée ce soir dans, dans, dans mon cœur oui, pour euh, ses enfants. Donc, euh, sans plus tarder, nous allons présenter le moment la thème du Seigneur. Vous savez, nous sommes tous euh, faillibles. Nous avons tous besoin, n'est-ce pas, de la grâce du Seigneur pour euh, que nous puissions, n'est-ce pas, communiquer, sinon transmettre son message pour euh, euh, édifier, interpeller, n'est-ce pas, bâtir, construire encore ouais, un peu les cœurs ou encore les vides. Euh, sur qui appartiennent au Seigneur et bien sûr aussi pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Adonai, nous te bénissons. Papa, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps de partage. Merci pour cet enseignement. Papa, nous croyons ce soir que tu vas une fois de plus parler encore nos cœurs. Papa, nous t'en supplions, Seigneur. Viens disposer nos cœurs. Papa, nous prions, Père, que toute distraction que le diable mettra en place dans le but de vouloir nous empêcher de saisir ta pensée soit voie à l'échec. Au nom de Yeshua. Adonai, gloire, honneur et louange à toi. Amen. Alors ce soir, euh, nous allons partager sur euh, euh, le, les, le paganisme dans l'Église ou encore le christianisme a paganisé. Euh les pôles, n'est-ce pas, n'ont ont cessé de nous interpeller euh, euh, dans les temps de la fin, n'est-ce pas Il va y avoir beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui vont s'introduire, que le diable mettra certainement en place pour euh, éloigner, n'est-ce pas, euh, des gens de la pensée du Seigneur ou encore, n'est-ce pas, du conseil du Seigneur. Et quand euh, nous regardons un peu, euh, nous allons prendre une histoire dans euh, Deux Rois au chapitre 16. Vous voyez, à partir du verset, euh, à partir du verset, on va lire à partir du verset, euh, 7, à partir du verset 7, voilà, 2 Roi, chapitre 16, à partir du verset 7. Alors, nous vous encourageons, n'est-ce pas, à toujours à avoir euh, votre Bible sur vous pour pouvoir examiner euh, ce qui s'est dit à la lumière des Écritures, si c'est conforme à la parole ou pas. Parce que vous savez, nous ne disons, on ne doit pas dire Amen à tout. Vous voyez, Amen veut dire ainsi soit-il. Donc, quand on dit Amen, ça veut dire qu'on approuve. Alors, la Bible dit Akaz envoya des messagers à Tiklat roi d'Assyrie, pour lui dire :« Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élèvent contre moi. » oui. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Donc Akaz qui était un roi, le roi de Juda. Et il va aller supplier, n'est-ce pas, plus ou moins, n'est-ce pas, le roi euh, d'Assyrie pour euh, euh, demander de l'aide. Il lui demandait de l'aide parce qu'il était sous la menace, n'est-ce pas, du roi d'Israël et le roi aussi, n'est-ce pas, de Syrie. Et il va l'acheter, n'est-ce pas, il va l'acheter la conscience, il va l'acheter, n'est-ce pas, l'aide, n'est-ce pas, du roi syrien. Alors qu'Akaz, n'est-ce pas, était un roi, n'est-ce pas, le roi de Juda, qui était censé, n'est-ce pas, connaître les voies du Seigneur. Qui savait que, n'est-ce pas, il avait l'histoire, n'est-ce pas, des patriarches, des pères comme Abraham, de Moïse, de Jacob, ainsi de suite, un peu, il vous l'histoire que Yahweh, n'est-ce pas, a toujours été à côté de ses enfants pour les délivrer, n'est-ce pas, pour les secourir lorsque euh, euh, ceux-ci se retrouvaient, n'est-ce pas, en difficulté. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va faire, n'est-ce pas, à case vous voyez Il va. Tournons le, 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 le dos, n'est-ce pas, à, à, au Dieu Tout-Puissant, à Elohim, pour chercher de l'aide, n'est-ce pas, en Assyrie et aussi, n'est-ce pas, euh, voilà, ouais, un peu. Donc, euh, euh, il va prendre l'argent, n'est-ce pas, qui était consacré à Elohim, n'est-ce pas, pour aller corrompre, pour aller acheter l'amitié, n'est-ce pas, du roi assyrien, parce qu'il avait besoin, n'est-ce pas, de la protection. voyez, ouais, nous, nous continuons, n'est-ce pas, la suite. Ouais. Et la Bible dit les habitants en captivité acquirent et fit mourir Rétine. » vous un peu. Voilà, nous continuons la, voilà, la suite. Le roi Acas se rendit à Damas. Regardez, voyez, le roi vraiment assyrien, il va vraiment n'est-ce pas combattre euh, ceux qui persécutaient plus ou moins n'est-ce pas Acas. Voyez, et après l'intervention du roi assyrien, la Bible nous dit n'est-ce pas que le roi Acas se rendit à Damas au devant de et pelissér roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel, écoutons bien, vous savez, l'autel était quelque chose de sacré pour euh, les Israélites. C'était, n'est-ce pas, sous l'autel qu'on offrait, on offrait des sacrifices à Donaï, qu'on offrait des sacrifices à Elohim. Voyez? et lorsque le Seigneur va donner, n'est-ce pas, va demander la construction du temple, il va donner le modèle. Donc, le temple, l'hôtel qui avait été construit au temple, n'est-ce pas, avait été fait selon le modèle de, le modèle que Dieu avait donné, n'est-ce pas, avait communiqué non seulement à Moïse et aussi, n'est-ce pas, à ceux par la suite, n'est-ce pas, qui vont euh, construire euh, le temple. Voyez un peu. Donc, la Bible dit que lui, quand il va arriver, n'est-ce pas, en Assyrie, il va voir un type, un modèle d'hôtel qui n'avait rien à voir avec celui, n'est-ce pas, de l'Éternel. Et Ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Acas envoya au sacrificateur Uri le modèle de la, le modèle de, et la forme exacte de cet autel. Donc il va prendre il va voir un modèle d'hôtel ou un peu l'autel qui était quelque chose de sacré parce que c'est sur l'autel n'est-ce pas qu'on offrait le sacrifice pour adorer le Seigneur pour recevoir, pour obtenir provisoirement n'est-ce pas le pardon de, de, de leurs péchés bien sûr sur la loi. Vous voyez l'autel qui était l'image de la croix. Et l'animal qu'on offrait était, était préfiguré Jésus, Yoshua. Donc lui, il va aller, n'est-ce pas, dans une nation, n'est-ce pas, païenne, et il va voir un type d'hôtel qui était consacré à, à des divinités, n'est-ce pas, païennes, aux dieux, n'est-ce pas, païens. Ouais, lui, il va voir ce modèle-là, et il va envoyer, il va appeler, il va envoyer, n'est-ce pas, les images au sacrificateur, n'est-ce pas, Uri, -ce pas, pour reproduire ce modèle-là, n'est-ce pas, qu'il avait vu en Assyrie à Damas, n'est-ce pas, à la place, n'est-ce pas, du véritable hôtel que Dieu avait donné, n'est-ce pas, euh, 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 aux Israélites. Regardons la suite. Oui. Le sacrificateur Uri, vous voyez, même le sacrificateur, n'est-ce pas, tellement corrompu. Voyez un peu, n'a pas eu le courage, n'est-ce pas, de prendre position, de refuser, n'est-ce pas, euh, de, de se poser au roi en disant que non, roi, ce que tu fais n'est pas correct. Voyez un peu, faire cela, n'est-ce pas, c'est abominable devant le Seigneur. Même le sacrificateur était corrompu, n'est-ce pas, le, le sacrificateur Uri, voyez un peu. Alors, le, le, le sacrificateur Uri construisit un hôtel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz, voyez un peu. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi, fit, le, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Et il fit brûler son holocauste et son offrande, versa sa, vers sa célibation et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel des reins qui était devant l'Éternel. Donc, il va éloigner l'autel des reins du Seigneur, l'autel qui avait été mis en place, n'est-ce pas, par le Seigneur, selon le modèle du Seigneur. Lui, il va éloigner, n'est-ce pas, pour faire quoi Pour mettre en place, n'est-ce pas, le modèle de l'autel, n'est-ce pas, qu'il avait vu, n'est-ce pas, à, à Babylone, à Damas, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Frère, quelle chose abominable! Vous voyez, Akaz va remplacer l'autel véritable de Yahweh, n'est-ce pas, par un autel païen. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri, fait brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple, vous voyez un peu du pays et leur offrandes. versez y leurs libation et rependez-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. » Donc vous voyez, il va remplacer, n'est-ce pas, le culte qui était, qui était, lié, qui était destiné à Donaï. Comment est-ce que, n'est-ce pas, le Seigneur voulait se faire adorer Quelles étaient, n'est-ce pas, les instructions que le Seigneur avait données Il va remplacer cela. Donc il va paganiser, il va introduire, n'est-ce pas, une autre forme, n'est-ce pas, d'adoration. Un autre service en lieu place, n'est-ce pas, de véritable service. Et la Bible dit, n'est-ce pas, qu'il va donner l'ordre au sacrificateur que même lorsque le peuple viendra, n'est-ce pas, que le sacrificateur n'offre plus, n'est-ce pas, les holocaustes sur l'autel des reins que avait donné, n'est-ce pas, le modèle que avait donné, n'est-ce pas, mais plutôt sur le modèle qu'eux, ils avaient pris, n'est-ce pas, à Damas, n'est-ce pas, dans un pays païen. Voyez un peu Vous voyez, en Assyrie, n'est-ce pas, ils avaient des hôtels, n'est-ce pas, qu'ils offraient, n'est-ce pas, aux divinités, n'est-ce pas, aux démons. Vous voyez où il y avait des sacrifices humains, il y avait des sacrifices d'enfants, ainsi de suite. Donc, le roi Akas, n'est-ce pas, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va introduire, n'est-ce pas, un autre culte, n'est-ce pas Voyez un peu en Israël. Et le peuple, n'est-ce pas, tellement aveuglé, personne, n'est-ce pas, ne s'était rendu compte. Et vous savez, la Bible nous dit dans Ecclésias chapitre 3, ce qui s'est passé, n'est-ce pas, c'est ce qui se passera. Ce qui a été, n'est-ce pas, parfois, c'est ce que nous vivons. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Et nous sommes dans un temps où, n'est-ce pas, l'Église est vraiment paganisée. Dans ce monde là, n'est-ce pas, les églises sont paganisées. Très peu, n'est-ce pas, sont dans l'église véritable du Seigneur. Voilà pourquoi frère Yeshua, n'est-ce pas, Jésus dans la Bible quand il dit que ce qui s'était passé à l'époque de Noé se passerait de même à l'avènement du fils de l'homme et ce qui s'était passé à l'époque de Lot se passerait de même à l'avènement sinon au retour, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par là, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 24. Ça veut dire que à l'époque de Noé les gens étaient tellement séduits par le péché que beaucoup n'ont pas saisi les interpellations, n'est-ce pas, que le Seigneur donnait au travers de Noé, son serviteur. La Bible dit que Noé était un prédicateur de justice. Donc, les gens ne l'écoutaient pas parce que beaucoup étaient paganisés, beaucoup étaient aveuglés, beaucoup étaient sous l'ensorcellement, n'est-ce pas, ou un peu du diable. Parce que parfois, le diable ensorcelle les gens, n'est-ce pas, par des fausses doctrines, par, n'est-ce pas, des inspirations démoniaques, ou un peu qui ont pour but, n'est-ce pas, de déconnecter la pensée de l'homme, n'est-ce pas, au créateur, afin de l'orienter vers, ou un peu, des, des, des démons. Voyez un peu vers des inspirations des, des euh, diaboliques, l'astrologie, la divination, voyez un peu la magie, voyez du yoga, voyez un peu les gens aiment ces choses-là, frère. Voyez, et on vit n'est-ce pas dans un monde n'est-ce pas identique, ou un peu au temps de Noé et au temps de Lot où les gens n'est-ce pas refusent la vérité pour s'attacher à des doctrines des démons, voyez, un peu au paganisme. Voyez, les gens vont dans l'assemblée n'est-ce pas Très peu de personnes n'est-ce pas comprennent le but vraiment pour lequel, n'est-ce pas, les gens se rendent dans des assemblées ou encore dans des bâtiments qu'on appelle par abus de langage église. ouais les gens ne sont pas convertis. Parce, pourquoi Parce que, frère, le paganisme est rentré, n'est-ce pas, dans des assemblées et beaucoup, beaucoup sont en train de consommer, n'est-ce pas, une nourriture. Quand on parle d'une nourriture, ça, ça veut dire, on parle de la parole. Ça veut dire une parole, n'est-ce pas, qui n'est pas inspirée par le Seigneur. C'est une parole qui est inspirée par les démons. Il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, comment beaucoup aujourd'hui, ceux qui prétendent être chrétiens vivent. Vous voyez un peu voyez, Parce que nous ne pouvons donner, n'est-ce pas, que ce que l'on a. cest à dire que si, n'est-ce pas, nous recevons un évangile qui nous pousse, n'est-ce pas, à nous conformer au monde, frère, ben c'est normal. C'est normal que la vie de sanctification, lorsqu'on nous parlera de la sanctification, ben ça va nous irriter, ça nous mettra en colère. Et dans Marc, au chapitre 11, à partir du verset 12. Marc Évangile de Marc chapitre 11 à partir du verset 12. Voilà, regardons, frères, ce que la Bible dit. La Bible dit le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Écoutez bien, Jésus entra dans le temple. Le temple, n'est-ce pas, était l'épicentre du judaïsme. C'est dans le temple, n'est-ce pas, que les gens allaient adorer le Seigneur, que les gens allaient offrir les holocaustes. Que les gens allaient, n'est-ce pas, euh, 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 servir le Seigneur, que les gens allaient se conformer, n'est-ce pas, aux instructions que le Seigneur leur avait données au travers, n'est-ce pas, de la loi de Moïse. Et Yeshua, Jésus, quand il arrive à Jérusalem, parce que le temple, n'est-ce pas, avait été construit, n'est-ce pas, à Jérusalem, c'est le lieu où le Seigneur avait décidé, n'est-ce pas, où son nom, n'est-ce pas, devait être vénéré, exalté, adoré. Et Jésus, n'est-ce pas, arrive à Jérusalem et il rentre dans le temple. Regardons frère. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Donc le temple était devenu un lieu de commerce. Il y avait le paganisme qui était là. Et il renversa les tables, les changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs Vous voyez, ça veut dire, quand Jésus vient, n'est-ce pas, il est obligé de purifier le temple, parce qu'il s'était rendu compte, n'est-ce pas, que le temple était paganisé. Le but pour lequel, n'est-ce pas, le temple avait été construit, n'est-ce pas, n'était plus respecté. Au lieu de la prier, n'est-ce pas, les gens allaient faire du commerce. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, dans nos assemblées, nous voyons un peu. Tout, n'est-ce pas, ce système qui est mis en place, où il y a du commerce, où il y a des tontines chrétiennes, les tontines, où les chrétiens sont dans des tontines, où il y, a, il y a des banques chrétiennes, où tu vas faire des prêts avec intérêt, vous voyez un peu Où, ben, euh, euh, vraiment, il y, a, il y a toute une confusion aujourd'hui, n'est-ce pas Où des chantres, n'est-ce pas, sont habillés de manière extravagante, n'est-ce pas Avec des poitrines dehors, en sexy, en minijib, avec des, des habits qui serrent le corps, vous voyez C'est vraiment, n'est-ce pas, le paganisme et aujourd'hui, on se pose des questions, la question, frère, où est l'église Vous voyez Où est l'église Quand nous regardons, n'est-ce pas, ce qui se passe dans les églises et ce qu'il y a dans le monde, frère, nous n'arrivons plus, n'est-ce pas, à faire une distinction. Il y a tellement une confusion. Vous voyez Et de la même façon que le roi Akaz avait introduit, n'est-ce pas un autre culte aujourd'hui, n'est-ce pas, dans beaucoup d'assemblées, n'est-ce pas, l'info-culte est introduit et les gens adorent, 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 sans se rendre compte, n'est-ce pas, que ce n'est pas Yahweh qu'ils adorent, mais c'est le diable, vous voyez un peu Ils en sont tellement perdus. Pourquoi Voilà, vous savez, euh, les chrétiens, n'est-ce pas, si ces chrétiens sont déconnectés des temps d'intimité qu'ils doivent avoir avec le Seigneur en méditant la parole, en interrogeant le Seigneur, n'est-ce pas, afin que le Seigneur, le, le, le Seigneur ouvre leur intelligence pour comprendre les Écritures. Mais comment est-ce que ces chrétiens, n'est-ce pas, peuvent-ils être à l'abri des brigands, des de mercenaires Non, ils ne pourront pas échapper. Si Yahweh dit Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, alors comprenons que le but du, du diable, n'est-ce pas, est de nous maintenir, n'est-ce pas, dans l'ignorance, n'est-ce pas, pour faire de nous, n'est-ce pas, des victimes. Oui, et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3 voilà 2 Thessaloniciens 2 verset 3 à partir du verset 3 la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant l'apostasie ça veut dire l'abandon de la foi donc Satan va arriver n'est-ce pas à détourner des vrais enfants du Seigneur, ceux qui ont connu la parole, ceux qui ont été touchés par Dieu, appelés par Dieu, Satan va arriver, n'est-ce pas, va, va, va parvenir, n'est-ce pas, à les détourner, à les faire sortir de la foi. Donc ils vont devenir apostats. Donc c'est par eux que le diable, n'est-ce pas, va passer pour introduire, n'est-ce pas, l'apostasie, des fausses doctrines, introduire, n'est-ce pas, le culte du monde, introduire, n'est-ce pas, euh, 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 la religion mondaine, n'est-ce pas, au sein des assemblées a fait davantage, n'est-ce pas, bien sûr, d'aviler le, 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 le peuple. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, vous voyez, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Frère, regardez, c'est écrit, la Bible dit que le diable va réussir, n'est-ce pas, à s'introduire dans le temple de Dieu. Un peu, et il va se faire adorer comme un dieu. Et Jésus-Christ, quand il arrive à Jérusalem, exactement, il constate qu'en fait, le, le, ce, le, le dieu véritable, n'est-ce pas, avait été chassé par les hommes, et ils ont introduit un autre dieu, n'est-ce pas, et que les gens allaient à adorer. Et ici, Paul nous dit, n'est-ce pas, que l'adversaire qui s'élève, n'est-ce pas, au-dessus de tout ce qu'on adore, n'est-ce pas, voyez un peu, il va aller s'asseoir dans le temple de Dieu, et il va se proclamer Dieu. Donc, les gens vont l'adorer. Vous voyez, on adore le diable comme mais tout simplement, n'est-ce pas, charnellement, charnellement. Vous voyez, on va voir des chrétiens, n'est-ce pas, qui sont dans la fornication, vous voyez, un peu, qui vivent dans, pas, dans des unions libres, aujourd'hui qu'on appelle, vous voyez, un peu, euh, unions libres, vous voyez un peu, ben, les chantres, vous voyez, qui vont servir, n'est-ce pas, en assemblée, mais des gens qui sont dans le péché, oui. Des gens qui n'auront plus, n'est-ce pas, d'envie d'écouter la parole, la véritable parole. Pour, tout simplement, n'est-ce pas, pourquoi Parce qu'en fait... Dieu, Jésus-Christ a été chassé, n'est-ce pas, de plusieurs assemblées. Ouais, donc, à cause, il va faire quelque chose, n'est-ce pas, d assez horrible. Parce que dans Deutéronome, nous allons lire Deutéronome chapitre 12, verset euh, 30. Voilà, Deutéronome 12, verset 30, nous allons le lire. Regardons ce que les Écritures disent. Garde-toi de te laisser prendre au piège. En les imitant. Bon, nous allons, on peut commencer même à partir du verset euh, 28, hein? 28. Voilà. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays. Regardons, la Bible dit, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Dans la Bible dit quand Dieu, n'est-ce pas, va te sortir, n'est-ce pas, du péché, ça veut dire l'Égypte, c'est l'image du monde, n'est-ce pas, le Seigneur dit, quoique, n'est-ce pas, nous serons au milieu, n'est-ce pas, de ce peuple-là. Mais il nous exhorte, n'est-ce pas, de nous garder, de nous comporter, n'est-ce pas, comme ces nations païennes. Donc, c'était des instructions, n'est-ce pas, que le Seigneur donnait à Israël. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne aussi les mêmes instructions. Il dit, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu. Donc, garde-toi de chercher à connaître leur Dieu. Et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu Moi aussi, je veux, je veux, faire, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles. En l'honneur de leur Dieu. Vous voyez C'était des gens, n'est-ce pas Dans le culte qu'ils offraient, n'est-ce pas À ces faux dieux, à ces démons-là, il y avait des sacrifices humains. Donc c'était des gens, n'est-ce pas Qui donnaient leurs fils et leurs filles en sacrifice. Parce qu'il fallait adorer, n'est-ce pas Leur Dieu, n'est-ce pas Au travers, n'est-ce pas De telles pratiques. Et ces cultes-là, n'est-ce pas Akaz va amener. Cette façon de faire en, 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 en Judas, dans le temple de Dieu, voyez un peu, et il va. Introduire, n'est-ce pas, ce paganisme-là, et le peuple aussi va emboîter le pas. Non seulement le peuple, mais la Bible dit que même le sacrificateur Uri, un peu, lui aussi, n'est-ce pas, va emboîter le, le pas. Comme aujourd'hui, frère, beaucoup de ceux qui prétendent être pasteurs, prophètes, apôtres, n'est-ce pas, beaucoup sont complètement, n'est-ce pas, aveuglés, paganisés. Vous voyez un peu, euh, euh, les, les fêtes païennes, n'est-ce pas, sont célébrées dans des églises où Jésus-Christ est censé être vénéré, exalté, élevé et adoré. Vous voyez? Les fêtes comme Noël. Oui, Noël est une fête païenne. Oui, Noël n'est pas la naissance, n'est-ce pas, de notre Seigneur Yeshua. Yeshua n'est pas né le 25 décembre. C'était un mensonge. Le 25 décembre, n'est-ce pas, n'est rien d'autre que la célébration du Dieu Soleil et Mitra. Vous voyez, Nimrod, qui était le premier qui a rien à Babel. Babel qui veut dire confusion dans Genèse chapitre 11. Vous voyez a Eu une relation intime avec sa mère, Sémiramis, et de cette union-là est né, n'est-ce pas, un fils qu'ils vont, vont appeler Tamouz ou encore Mitra, ou un peu, ou le Soleil. C'est ce, cet enfant-là, n'est-ce pas, que les nations païennes, n'est-ce pas, vénéraient, adoraient comme étant un Dieu, un Elohim. Et c'était lui, n'est-ce pas, qui était né le 25 décembre. Donc, et Grégoire Ier, le pape Grégoire Ier, n'est-ce pas, lors du conseil, le concile de Niché en 325, vous un peu, ce conseil là n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, plus ou moins, mettre en place ou encore, vous un peu, élaborer le canevas du christianisme aujourd'hui, n'est-ce pas, qui pollue le monde dans lequel nous sommes, vous un peu. Et c'est là où ces fêtes païennes-là seront introduites, n'est-ce pas, à la place des véritables fêtes, n'est-ce pas, de Lévitique 23, les fêtes de l'éternel, les fêtes de Pâques, un peu, les fêtes des paix sans euh, de, de, de le vin les fêtes de la Pentecôte, les fêtes des Tabernacles, ainsi de suite, un peu. Les nations, vous un peu, ils vont enlever, vous un peu, les, les, les fêtes, n'est-ce pas, qui étaient institué par le Seigneur pour glorifier Yahweh. Et ces fêtes-là, n'est-ce pas, magnifier Jésus, révéler n'est-ce pas, le ministère terrestre de Christ. Ouais, et ils vont introduire les fêtes païennes. Et beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, nous voyons à la Noël, comment même dans les assemblées, mais dites chrétiennes, n'est-ce pas, évangélique bien sûr, évangélique bien sûr, un peu, on vénère, n'est-ce pas, le dieu Mitra, le dieu Tammuz. Vous voyez, c'est la Confusion. Ou dans les écodim, hein, écodim, l'école des dimanches des enfants. Voyez où euh, on donne des enfants des cadeaux en fonction n'est-ce pas de leur ponctualité. Ça veut dire que les enfants qui sont beaucoup ponctuels, on leur donne des cadeaux. ceux qui ne sont pas ponctuels, on ne les donne pas. Voyez, on crée des frustrations dans les cœurs. C'est vraiment on vit dans un monde de confusion, un monde n'est-ce pas paganisé, un monde babylonisé. Est-ce que c'était église, cette église-là n'est-ce pas qui est corrompue que Jésus-Christ viendra chercher l'enlèvement Mais non, frère. Alors voilà pourquoi. Ouais, il est nécessaire, n'est-ce pas, de sonner, n'est-ce pas, de, de sonner des cris d'alarme, d'alarme pour moi, n'est-ce pas, d'interpeller le plus grand nombre, dire, frère, ils, nous devons faire attention, nous devons sortir, n'est-ce pas, de ce paganisme. Parce que ce paganisme, frère, nous expose au danger. Oui, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre, 20, bah, Matthieu 13, que lorsque la parole est semée dans un cœur, voyez un peu, les oiseaux ou encore l'image des démons viennent enlever dont le mal est bien enlevé. Donc, quand l'évangile véritable est prêché, n'est-ce pas, le diable fait tout pour brouiller les gens, n'est-ce pas, afin de ne pas les amener à saisir la pensée du Seigneur. Pour mettre, pour continuer, n'est-ce pas, à mettre foi sur quoi ben, Sur euh, l'évangile édulcoré, l'évangile paganisé aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est prêché dans beaucoup de lieux, dans beaucoup d'endroits. Un peu un évangile, n'est-ce pas, qui pousse les gens, n'est-ce pas, à être charnel à être complètement mondains. Oui, et, 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 et Paul dit, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens au chapitre 3, 2 euh, Corinthiens voilà, chapitre 4, à partir du verset 1er. Voilà qu ce que nous dit Paul dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 1 Il dit C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Ouais. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Paul dit, il ne falsifiait pas. Il ne diluait pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Paul dit, en prêchant la parole, n'est-ce pas, il se sanctifiait de toute forme de responsabilité, n'est-ce pas, devant le, devant le Seigneur, vis-à-vis -vis des hommes. Et, et par la suite il dit quoi? Il dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, donc le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez? Donc Paul dit qu'il y a un Dieu, n'est-ce pas, dans ce monde là, le diable, n'est-ce pas, qui a pour but, n'est-ce pas, de rendre les gens aveugles. Vous un aveugle, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui est, qui est dépourvu de tout discernement, de toute capacité, n'est-ce pas, de pouvoir discerner ou encore comprendre le langage de Dieu, comprendre la parole du Seigneur. Donc le diable, n'est-ce pas, il enlève, n'est-ce pas, cette capacité afin, n'est-ce pas, de te, de te donner, de t'offrir autre chose. Frère, alors voilà pourquoi, frère, aujourd'hui, nous assemblons paganiser parce qu'en en fait il y a beaucoup de choses qui ont été introduites, les traditions des hommes. Nous allons lire, n'est-ce pas, Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 10, verset 2 ou verset 3. Regardons ce qui est écrit. Jérémie chapitre 10, verset 2 à 3. Voilà. Il dit ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas les voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel. Vous l'astrologie, le yoga, la science transcendantale, vous voyez un peu toutes ces choses-là qui nous amènent, n'est-ce pas, à, à, à fixer nos regards sur les choses du ciel. La Bible dit de ne pas prêter attention à de telles choses parce que les nations les craignent. Oui, les nations païennes craignent ces choses. Quand on est un enfant du Seigneur, n'est-ce pas, nous ne devons plus nous atteler, n'est-ce pas, nous attarder, n'est-ce pas, sur, sur de telles pratiques. Non. Frère, c'est nous mettre, n'est-ce pas, en contact avec des esprits impurs. Et si tu es en contact avec des esprits impurs, ces esprits impurs, n'est-ce pas, rendront ton corps impur. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup, n'est-ce pas, quoique ayant dans la bouche le mot chrétien ou encore le nom chrétien, n'est-ce pas, ben, ne peuvent pas se sanctifier. Parce que c'est les personnes qui sont continuellement, n'est-ce pas, en contact avec des esprits impurs. Vous Verset 3. Car. Les coutumes, quand on parle des coutumes, c'est aussi les commandements ou encore les traditions, n'est-ce pas, des peuples ne sont que vanité. Vous voyez, on coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier la travaille avec la hache. Et l'on l'embellit avec de l'argent et de l'or. Et l'on fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il pour qu ne branle pas. Ces dieux, vous voyez, donc c'est des dieux, des idoles. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On, on, on les porte parce qu'ils ne, ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Vous voyez, la Bible dit n'est pas les craindre. Vous savez, les gens vont se prosterner devant une statue Ils disent Marie, ils vont prier Marie avec le chapelet, ainsi de suite. Vous un peu une statuette qu'eux-mêmes ils transportent. Une statuette, une statue, lorsqu'elle est sale par la pluie, les gens prennent la peinture, n'est-ce pas, pour aller embellir. Mais les gens vont se soumettre là-dessus, se, se prosterner pour adorer en disant que c'est Dieu. Vous savez, vous voyez, c'est la folie. Vous voyez, combien de fois, n'est-ce pas, le diable rend les gens ridicules. Vous voyez, et l'océan, n'est-ce pas, nous interpelle à parler au cœur de son peuple. Parce que ben, les gens sont perdus. On vit dans un monde, n'est-ce pas, chaotique, un monde qui est vraiment dans le chaos, un monde où les gens ne font que s'éloigner jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, n'est-ce pas, du Seigneur. Un peu, voilà, pour leur perdition. Frère, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que Dieu, Yahweh, a mis dans la pensée de l'homme, n'est-ce pas, ou bien dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Ça veut dire, les actes que nous posons aujourd'hui, n'est-ce pas, vont déterminer l'éternité que tu passeras, soit avec Jésus-Christ ou en enfer. Il y a deux éternités. Il y a l'éternité avec Jésus au ciel, dans la gloire, dans la Jérusalem céleste, là où il fera beau vivre, là où nous allons contempler, n'est-ce pas, les bienfaits de notre Elohim Tout-Puissant, là où nous allons voir, n'est-ce pas, le Dieu le plus beau. Celui qui a les yeux de flammes de feu, là où nous allons contempler, n'est-ce pas, le Créateur de l'univers, celui qui dit un mot et la chose arrive. La Bible dit que nous allons le palper, nous allons le toucher. Nous pouvons, n'est-ce pas, poser des questions à Jésus-Christ et il nous répondra parce que en ce moment, nous connaissons en partie. Passer l'éternité avec lui. C'est ce que tout homme, n'est-ce pas, doit s'efforcer, n'est-ce pas, à, 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 à. Nous devons nous battre, nous battre à garder notre salut. Voilà pourquoi c'est nécessaire, n'est-ce pas, de mettre notre foi en Jésus-Christ et non pas, n'est-ce pas, aux, 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 aux dénominations, et non pas, n'est-ce pas, aux traditions des hommes en Jésus-Christ. Il y a aussi, n'est-ce pas, l'éternité dans un, dans un lac de feu en enfer. Tous ceux qui vont mourir, loin du Seigneur, tous ceux qui vont mourir dans le péché, dès que tu meurs, la Bible nous dit, n'est-ce pas, tu vas dans le séjour de mort, l'enfer où tu es tourmenté. Et Apocalypse 20 nous dit, au jugement dernier, tous ceux qui seront, n'est-ce pas, dans le séjour de mort seront vomis. Parce que le séjour de mort et la mort aussi, n'est-ce pas, ces deux démons-là seront aussi jetés dans les de feu. Ils seront, ils vont ressusciter, n'est-ce pas, pour recevoir leur sentence finale, n'est-ce pas. Ça veut dire leur condamnation éternelle. Dans le lac de feu, lisez Apocalypse 20, du premier verset jusqu'au dernier verset. Il faut lire la parole, c'est nécessaire. Sinon, frère, nous allons passer à côté de la grâce du Seigneur. La Bible dit que personne ne se prive de la grâce du Seigneur, n'est-ce pas Tant que nous avons encore la possibilité de saisir la main tendue du Seigneur. C'est maintenant qu'il faut le faire. Après la mort, ce n'est plus possible. Ne nous détrompons-nous. Le culte des morts, c'est des pratiques païennes. Les retraits de deuil, ben c'est païen. Ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un qui est mort, de faire des retraits de deuil pour une personne morte. Ça ne sert à rien. Hébreu 13 nous dit Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Dès que tu meurs, tu te retrouves devant ton Créateur et tu reçois la sentence par rapport à la vie, n'est-ce pas, que tu as menée sur terre. Alors voilà pourquoi, frère, c'est vraiment nécessaire, n'est-ce pas, que chacun de nous puisse se remettre en cause, d'examiner, n'est-ce pas, si la vie que nous menons, n'est-ce pas, plaît au Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas, frère, repentons-nous. C'est encore possible. La porte, n'est-ce pas, de la bergerie n'est pas encore fermée, elle est ouverte. Vous voyez un peu, nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, les derniers temps, les temps de la grâce, les temps où Jésus, Yoshua, veut sauver des vies vous voyez et malheureusement n'est-ce pas beaucoup qui vont n'est-ce pas dans des assemblées ils vont dans des assemblées paganisées là où on leur enseigne le combat spirituel là où on leur enseigne n'est-ce pas de maudire les gens là où on leur enseigne de tuer les gens là où on leur enseigne n'est-ce pas de donner l'argent les gens qui sont dans le concubinage qui sont dans l'adultère mais on leur demande n'est-ce pas de payer les dîmes, de payer les impôts dans les assemblées à soi-disant n'est-ce pas qu'en payant n'est-ce pas ces impôts là n'est-ce pas ou un peu ces personnes là construisent des maisons au ciel voyez des choses abominables sont enseignées et beaucoup mettent foi en ces choses pourquoi mais c'est parce que les gens un peu n'aiment plus la vérité Vous voyez? les gens n'aiment plus la vérité et euh, de, de de Timothée chapitre 4 regardons ce que euh, l'apôtre Paul n'est-ce pas étant vieillard va donner comme conseil instruction n'est-ce pas à, 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 au jeune Timothée voilà, qu'elle allait prendre le relais regardons dans de Timothée n'est-ce pas chapitre 4 à partir du verset premier Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Vous voyez, Jésus va juger les vivants et les morts. Ouais, frère, c'est quasiment, n'est-ce pas, ben, inévitable. Peu importe ce que tu es, peu importe qui tu es, tu passeras devant Jésus-Christ. C'est Jésus qui déterminera le lieu où tu passeras ton éternité. Vous savez, frère, ne ben, nous, nous séduisons pas. Ce n'est ni Allah, ni Mahomet, ni une congrégation, ni Bouddha ou Christian. Non. La Bible nous dit, n'est-ce pas, il n'y a de salut à aucun autre nom, n'est-ce pas, si ce n'est celui de, de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, as-tu entendu, n'est-ce pas, en dehors de ce Jésus, ce Dieu Tout-Puissant, qu'il y a-t-il quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité En dehors de Jésus-Christ. Ou sinon, n'est-ce pas, sans prononcer le nom de Jésus-Christ, ça n'existe pas. Ceux qui, des, des prétendus dieux, n'est-ce pas, de ce monde, Mahomet, ben, ils sont morts. Ils sont morts, perdus. Les papes meurent. Ben, et tout ce monde-là, ben, tous meurent. Jésus a vaincu la mort. Il a triomphé de la mort et du ce jeu de mort. La Bible dit qu'il tient les clés de la mort et de ce jeu de mort. Jésus-Christ de Nazareth. Alors donc, frère, non, Dieu, ils sont pas nos cœurs. En nous, nous persuadant, n'est-ce pas, par des faux raisonnements. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on vit dans un monde paganisé où les gens arrivent, des faux prophètes. On dit les prophètes des temps de la fin, les prophètes messagers. Ils, en, ils annoncent, n'est-ce pas, un évangile édulcoré, un évangile tronqué. Et les gens mettent, n'est-ce pas, foi en de telles personnes qui les égarent. Je suis le prophète, le prophète des temps de la fin. Tous ceux qui suivent les prophètes des temps de la fin, vous êtes séduits. Vous voyez un peu C'est la séduction. Jésus a dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Et un vrai prophète, n'est-ce pas, de Dieu, vient parler de la part de Dieu, n'est-ce pas, à son peuple. Il parle, n'est-ce pas, de la part de Jésus-Christ. Il présente Jésus. Il ne se présente pas lui-même. Il ne se présente pas comme étant la solution. Non, la solution, c'est Jésus, frère. Sortons du sommeil. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Les temps sont mauvais. Voyez, Paul dit, je t'en conjure. Vous remettre, voyez un peu, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion. Donc pour dire à Timothée d'insister. Pourquoi Mais on ne peut insister que là où il y a la résistance. Voyez, les cœurs seront endurcis. En toute, en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi tous ces conseils Regardez, dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, dont littéralement les gens ne vont pas supporter la vérité. Donc ça veut dire que si les gens n'aiment pas la vérité, ça veut dire qu'ils vont aimer quoi Le mensonge mais ayant la démangeaison, voyez un peu, ils auront la démangeaison, c'est la démangeaison. Quand ça gratte la frère, voyez un peu, tant que tu ne t'es pas gratté jusqu'à à, te blesser, à saigner un peu, fait, tu n'es pas soulagé. Voilà la démangeaison. Donc la Bible dit que, voyez un peu, ce qui va pousser ces démons qui va travailler là, n'est-ce pas, va exciter les gens, n'est-ce pas, comme une démangeaison, voyez un peu, à toujours, n'est-ce pas, désirer le mensonge, à toujours désirer, vous voyez un peu, euh, 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 le, le, le faux. Voilà pourquoi frère, quand on te demande de boire du sel, on te demande de boire de l'huile. Ouais, tu bois de l'huile en disant que non, c'est l'huile qui va te bénir, c'est l'huile du prophète. Tu vas, tu vas acheter l'huile, acheter ta prophétesse ou acheter ton prophète. Ou ouais, un peu, c'est la démangeaison. Mais tu ne veux pas quitter le péché. Tu ne veux pas laisser le concubinage. Tu ne veux pas laisser l'adultère. Tu ne veux pas laisser le mensonge. Tu ne veux pas laisser les avortements. Tu ne veux pas laisser ces choses-là. Mais tu vois, tu as la démangeaison. Ouais, un peu, tu veux l'huile. L'huile pour te purifier. Ou ouais, un peu, le sel, n'est-ce pas, pour faire ouais, un peu des massages spirituels. Vous voyez, des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Il dit, ayant la dimension d'entendre des choses agréables, et ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous voyez Donc, les gens vont aimer, n'est-ce pas, voyez, ces prédicateurs paganisés. Ils vont aimer ces choses-là. Il ne pas petit Papa Noël. Vous hein, voyez, on amène Noël, on, on s'habille en rouge, en blanc. Et puis après, on dit, Papa Noël arrive. Le Papa Noël, ben c'est qui? On dit, ben c'est Jésus. Non, ben ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas Papa Noël. Jésus est Dieu tout-puissant. Vous voyez un peu? Le Papa Noël, n'est-ce pas, que vous vénérez, n'est rien d'autre que Tammuz ou encore Mitra. Vous voyez un peu? C'est un Dieu païen. Voilà. frère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous savez, regardez, pendant cette période des fêtes, regardons combien d'enfants sont frustrés. Ouais. on vit dans un monde, n'est-ce pas, où la crise économique, vous voyez, peut battre son comble. Les gens sont dans le chômage. Mais qui dit chômage, ça veut dire qu'il n'y a pas d'emploi. Et qui dit pas d'emploi, ça veut dire qu'il n'y a pas, pas, pas de moyens, il n'y a pas d'argent. Mais comment est-ce que bien, des familles déjà éprouvées par les difficultés de la vie, on leur impose des fêtes? Mais et dans, et pendant ces fêtes-là, ils sont censés, n'est-ce pas, dépenser de l'argent, l'argent qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont pas. Vous voyez Mais ben quel est ce Dieu-là Quel est ce Dieu Ouvrons les yeux. Et pendant des fêtes, n'est-ce pas, de telles fêtes, alors il y a des démons, n'est-ce pas, qui possèdent des jeunes. Parce qu'un enfant qui n'a pas reçu des cadeaux, parce que le papa n'a pas, maman n'a pas, ben, il va convoiter les jouets des autres. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va finir par voler. Et, et, et pendant ces fêtes-là, n'est-ce pas, frère et soeur, il y a des démons de vol qui possèdent des jeunes. Alors, nous ne nous étonnons pas si après, n'est-ce pas, nos enfants deviennent des voleurs. Voilà un peu. Voilà pourquoi, frère, faisons attention. Pendant qu'il y a des tels de moments, frère, mettons-nous dans la prière. Demandons, n'est-ce pas, au Seigneur de garder nos cœurs, de garder nos enfants. Il faut prier. Parce que toutes ces fêtes-là, n'est-ce pas, ont un, un but. Ce sont des fêtes, n'est-ce pas, qui ont été mises en place, n'est-ce pas, à des, à des saints. Voilà un peu voilà, c'est pour s'aimer, n'est-ce pas, la tristesse dans le cœur des gens. C'est pour s'aimer un esprit, n'est-ce pas, de concurrence. Vous voyez, chacun veut montrer combien de fois il est capable, n'est-ce pas, de donner des cadeaux à tel, ainsi de suite. Vous voyez un peu, et ceux qui n'en ont pas se retrouvent comme, 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 comme condamnés. Voyez, il faut faire attention, frère. Jésus n'est pas mort, n'est-ce pas, pour que nous mettions notre foi sur de telles choses. Non. Mettons notre foi sur la personne de Jésus. Et le rôle de l'Église, n'est-ce pas, est d'éduquer. Le rôle de l'Église est d'instruire, n'est-ce pas La Bible dit qu'afin que l'homme d'Élohim, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, soit bien formé. Mais malheureusement, selon ce qui est écrit dans Romains au chapitre 1er, à partir du verset 18, regardons ce qui est écrit voilà, Romains, voilà, épître de Paul, Romains, chapitre 1er, à partir du verset euh, 18. Voilà. La Bible dit La colère de, de Dieu, écoutons, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité est tenue captive. On ne prêche plus la vérité. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, les gens, n'est-ce pas, se donnent à de telles pratiques. Les gens, n'est-ce pas, vont s'endetter. D'autres vont se prostituer. Voilà un peu Parce qu'ils euh, veulent offrir, n'est-ce pas, des cadeaux à leurs enfants. Pourquoi Parce qu'on leur a enseigné. N'est-ce pas que c'est la fête de Dieu, c'est la naissance de Dieu, c'est la naissance de Jésus. Vous voyez un peu. Et la Bible dit que la colère de Dieu, n'est-ce pas, se révèle contre tout homme, n'est-ce pas, qui retient, n'est-ce pas, la vérité, n'est-ce pas, injustement captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, comme à l'œil, depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc Dieu, n'est-ce pas, a tout mis en place, n'est-ce pas, pour montrer à l'homme son existence. Il a donné aussi des capacités aux hommes, n'est-ce pas, pour qu'au travers de ces personnes n'est-ce pas, d'autres personnes soient éclairées. Mais il y en a, n'est-ce pas, qui en font, n'est-ce pas, pour leurs propres intérêts. Ils en font un profit. Le Seigneur les a appelé, leur a appelé pour prêcher l'évangile. L'évangile devient un moyen, n'est-ce pas, pour maintenir les gens dans l'ignorance. Et la Bible dit que, à cause de ces choses, n'est-ce pas, la colère de Dieu, la colère de Dieu va tomber sur ces personnes-là qui se comportent de manière injuste. Et dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset premier, regardons Matthieu 15. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alors des Pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus Christ et dirent Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils y prennent leur repas Jésus, voilà, il leur répondit, ça c'est Jésus qui leur répondit. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions Car Dieu a dit :« Non, ton père et ta mère. » Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont je t'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, combien de personnes aujourd'hui, n'est-ce pas, abandonnent leur père, ils abandonnent leur mère dans la souffrance pour apporter de l'argent dans les églises, pour bénir le prophète, pour bénir l'homme de Dieu, pour bénir le spirituel. Vous voyez, frère, il faut lire la parole. La Bible dit n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Voyez Jésus-Christ, hypocrite, Esaïe a bien profité sur vous quand il dit « Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Voyez Les traditions des hommes, n'est-ce pas, sont rentrées dans les assemblées et on enseigne le paganisme au peuple de Dieu. Et beaucoup, n'est-ce pas, mettent foi n'est-ce pas, de telles choses. Frère, c'est le temps de nous réveiller du sommeil. Les temps sont mauvais. Nous avons lu, n'est-ce pas, à la lumière des Écritures, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous interpelle à la vigilance. Il dit Soyez vigilants. Pourquoi Parce que le Seigneur savait que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde, n'est-ce pas, qui sera rempli d'impiété, beaucoup de méchanceté, beaucoup, n'est-ce pas, des pièges que le diable mettra en place pour maintenir les gens, n'est-ce pas, dans la captivité, de l'ignorance. Alors, mon frère, ma soeur, c'est encore possible aujourd'hui, n'est-ce pas, pour toi, qui me suit, qui m'écoute en ce moment, d'être réconcilié sincèrement avec le Seigneur. Vous savez, il est, il est toujours très important, n'est-ce pas, que nous soyons sincères avec nous-mêmes. Quand tu t'examines, est-ce que Jésus-Christ est dans ta vie Vois-tu les marques du Seigneur dans ta vie Ne vois-tu pas que tu as du mal, n'est-ce pas, à sortir du péché, à te défaire de certaines choses qui ne n'ont pas le Seigneur Ça ne sert à rien de donner une image. Des piétés auprès des hommes. Aucun homme ne pourra te justifier. Aucun homme ne pourra te sauver devant ton Créateur. Seul Jésus-Christ a la possibilité de pouvoir le libérer du péché. Alors, mon frère, ma sœur, réveillons-nous du sommeil. Réveillez-vous du sommeil. C'est le temps où, comme le Fils prodigue, nous devons revenir, n'est-ce pas, vers notre Père. Et Jésus-Christ a dit Il ne mettra pas dehors celui qui vient vers lui. Ne nous endurcissons pas. Laissons le Seigneur, n'est-ce pas, nous libérer du péché pour le salut de nos âmes. Pour passer l'éternité avec Lui. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Shalom. À très bientôt. Soyez bénis. Amen.